Votre chien connaît bien le mot « viens » ou le mot « pied », mais dans certaines circonstances, le rappel est assez moyen. Il se pourrait bien que vous fassiez une des erreurs dont je vais vous parler dans cette vidéo. Respect Dogs, ce sont des éducateurs canins comportementalistes en France près de chez vous. Demandez un programme 100% personnalisé sur www.respectdogs.fr. Retrouvez aussi nos formations en ligne sur RespectDogsAcademy. Avant de vous parler des 3 erreurs qu'il faut à tout prix éviter, sinon vous allez casser le rappel de votre chien, si ce n'est pas encore fait, allez voir les vidéos précédentes. Je vous mets un lien vers le tout début de cette playlist sur le rappel pour que vous puissiez comprendre cette vidéo. On part tout de suite sur la première erreur que des gens font sur le rappel. Cette erreur-là, c'est de mettre son chien et de se mettre en situation d'échec pendant l'apprentissage. Comment on fait ça? Eh bien en fait, on va trop vite, on brûle les étapes. On a mis notre chien dans une situation où il y avait trop de sollicitations et puis on lui demande de revenir. Quel choix il fait? Il choisit par exemple d'aller voir l'humain qui se trouve là-bas, le chien qui se trouve ici, plutôt que de revenir vers nous. Et bien oui, on ne l'a pas assez entraîné, on l'a mis dans une situation où en fait il avait un choix à faire. Tiens, un humain qui va peut-être me proposer des caresses, en plus il m'appelle, chose qui nous embête parfois, et nous on le rappelle pour une friandise ou quelque chose qu'il a parfois même assez facilement. Et là, si notre chien fait le choix d'aller vers cette personne, qu'il est caressé alors qu'il n'obéit pas au rappel, eh ben, on est en train de renforcer la désobéissance plutôt que de renforcer l'obéissance au rappel. Donc veillez bien à cette première erreur-là. Au début, entraînez-le au calme et après, on passera aux étapes suivantes. On ne met pas notre chien en dernière section de maternelle, voire au CP, sans être passé par le début. Sinon, ça va être trop difficile pour lui. Il risque même de se décourager et de décrocher de l'apprentissage que vous allez lui proposer. L'erreur numéro 2, c'est de rappeler votre chien uniquement quand il fait un truc cool. Alors ça paraît un peu bizarre comme ça, mais c'est quand il fait un truc cool pour lui. Je vais voir les invités qui viennent d'arriver, ils sont au portail. Je suis en train de creuser un trou. J'ai trouvé un truc super dégoûtant pour nous, mais super intéressant pour moi. Et là, on rappelle le chien parce que ce comportement nous dérange. Seulement, si on est au début de l'apprentissage du rappel, eh ben, on est en train d'associer le rappel à chaque fois un interdit. On me rappelle alors qu'il y avait un truc sympa qu'on me proposait là-bas, ou alors que j'avais trouvé un truc sympa à faire. Et souvent, cette erreur-là est faite en même temps que la troisième dont je vous parle tout de suite. La troisième erreur fréquente, c'est de rappeler son chien pour le disputer. Et ça, on le voit mais super fréquemment. C'est-à-dire que mon chien est en train de creuser, ça me dérange, je le rappelle, et je le dispute pour le trou qu'il était en train de faire là-bas. Seulement, l'action de votre chien à ce moment-là, c'est de revenir. Et là, vous êtes en train d'associer l'ancrage que vous vouliez positif au début, on en a parlé, hein, première vidéo, avec quelque chose de négatif. Et là, vous êtes en train de casser le rappel, puisque votre chien va associer que quand je reviens, eh ben, parfois, je peux potentiellement me faire disputer. Alors, comment se sortir de ça? En fait, il faut régler les comportements qui correspondent à ce que vous ne souhaitez pas voir. Si vous rappelez votre chien parce qu'il a tendance à sauter sur vos invités, plutôt que de travailler le rappel, apprenez-lui à accueillir les gens sans sauter. Si vous rappelez votre chien parce qu'il a pris quelque chose qui était au sol, plutôt que le rappel, apprenons-lui à ne pas attraper quelque chose au sol juste quand vous lui dites. Ça peut être le mot « laisse » où on aura appris à votre chien à lâcher. Pas besoin de faire un rappel sur ça. Et on anticipe du coup en l'éduquant avec d'autres ordres qui vont être utiles plutôt que de choisir le rappel à toutes les sauces pour quelque chose sur lequel il n'y avait pas besoin de faire un rappel. Vous avez compris les 3 erreurs à éviter. Vous êtes prêts à faire passer votre chien à un niveau supérieur pour le rappel? C'est ce que je vous propose tout de suite avec la dernière vidéo de notre série. On se retrouve juste après, je vous la mets ici ou ici.